En manchette aujourd'hui, c'est demain la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Bonjour, bon, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 14 juin 2023. Mon nom est Danielle Yvon en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre. La journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées est demain le 15 juin. Reconnaître la maltraitance et favoriser la bientraitance, agissons ensemble, tel est le thème cette année de cette journée mondiale. À Lanaudière, comme ailleurs au Québec, la maltraitance envers les personnes aînées est une réalité encore présente. La Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées du 15 juin est l'occasion de souligner l'importance de mettre en place diverses actions visant à reconnaître, dénoncer et intervenir pour contrer la maltraitance envers toute personne et promouvoir la bientraitance. Plusieurs actions ont été mises en place depuis les dernières années, plus précisément la création de la ligne Aide Abus Aînés, l'arrivée des coordonnateurs régionaux et nationaux spécialisés en maltraitance, la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité, le déploiement du troisième plan d'action gouvernementale 2022-2027 et plus récemment, l'apparition du cadre de référence « Favoriser la bientraitance envers toute personne aînée dans tous les milieux et dans tous les contextes ». Ce constat renforce l'importance de reconnaître et agir ensemble pour contrer la maltraitance dans tous les milieux. Maintenant, pour les deux prochaines nouvelles, on vous parle de M. Yves Perron. Et M. Yves Perron, qui est le porte-parole québécois en matière d'agriculture et agroalimentaire et de la gestion de l'offre, se réjouit de l'annonce de la ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, concernant le renouvellement du décret sur les marchandises ukrainiennes. En effet, depuis plusieurs mois, le député de Berthier-Masquinongé faisait pression sur le gouvernement fédéral afin que le renouvellement de ce décret, qui consiste à accepter les exportations de certains secteurs provenant de l'Ukraine afin d'en exclure les produits sous gestion de l'offre comme le poulet. À la première mouture du décret en 2022, mentionne M. Perron, les productions sous gestion de l'offre étaient incluses. Ce qui a causé plusieurs inquiétudes aux producteurs puisque ces importations sont illimitées. Ce qui cause des brèches énormes dans le système de gestion de l'offre dont l'un des principes est le contrôle des importations. Nous sommes bien heureux que le décret soit renouvelé pour les autres marchandises afin de venir en aide à l'Ukraine, c'est notre effort de guerre. Mais c'est important de le faire sans venir se nuire. C'est pourquoi je salue ce pas dans la bonne direction de renchérir le député de Berthier-Masquinongé. Depuis le dernier décret, des exportations de poulets ukrainiens vers le Canada avaient été permises, mais la pratique a été un petit peu freinée lorsque l'Agence canadienne d'inspection des aliments y avait détecté des substances interdites. Il est aussi important de mentionner que l'agence MHP, la principale compagnie ukrainienne de production de poulets et l'une des plus grandes de l'Europe, a pratiquement le monopole de la production en Ukraine et qu'elle a des précédents d'abus des droits humains sous forme d'intimidation et d'attaques violentes coordonnées envers les populations locales selon Bankwatch, un groupe européen de défense des droits et anticorruption qui compte 16 membres de 14 pays différents. Pour toutes ces raisons, le Bloc québécois a pressé le gouvernement d'exclure les productions sous gestion de l'offre de ce renouvellement. Aujourd'hui, nous récoltons le fruit de notre travail pour nos producteurs qui auraient pu être particulièrement touchés par ces importations massives, de conclure M. Yves Perron. Un autre sujet abordé par M. Perron aujourd'hui, c'est donc suite à l'inaction du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux demandes, l'Union des producteurs agricoles urgeait encore une fois vendredi dernier celui-ci d'agir pour venir appuyer nos entreprises agricoles en difficulté frappées par le complexe économique.
Yves Perron, le porte-parole du Bloc québécois, soutient une fois de plus cet appel à l'action des producteurs en rappelant au gouvernement canadien qu'on ne peut pas permettre aux gens qui nous nourrissent un appui indéfectible pour ensuite passer au prochain dossier. En faisant visite à la visite du premier ministre au siège social de l'UPA en février dernier. Les agriculteurs se sont confiés au premier ministre sur les difficultés qu'ils vivent au quotidien, sur l'immense stress qui pèse sur leurs épaules, de mentionner M. Perron. Alors qu'ils crient à l'aide et qu'ils manquent de liquidité, le gouvernement ne bouge pas. Les demandes sont raisonnables, entre autres celle de reporter les remboursements du compte d'urgence pour entreprises agricoles. Le contexte est extraordinaire et nécessite une action extraordinaire. Le gouvernement doit reconnaître l'exception agricole et la soutenir. Le gouvernement ne doit pas attendre qu'ils quittent un à un le secteur avant de les aider, surtout considérant qu'en plus les versements du programme de paiement anticipé sont retardés, de renchérir le porte-parole en matière d'agriculture, M. Perron. Comme le mentionnait M. Martin Caron, président de l'UPA, les programmes en place présentement ne sont pas conçus pour faire face à des situations comme celles que les producteurs affrontent en ce moment. Alors, mentionne-t-il que le gouvernement du Québec a bougé et que celui des États-Unis a investi près de 22,6 millions pour soutenir ces entreprises, on dirait que le gouvernement canadien ne sait pas quoi faire. Il est plus que temps de formuler des intentions. Il faut passer à l'action, en terminant, mentionne M. Perron. Une autre nouvelle maintenant dans un autre domaine, l'été est arrivé à la Maison Louis-Cyr. La dynamique institution muséale située à Saint-Jean-de-Mata bouillonne d'idées de projets à présenter à sa clientèle, dont plusieurs nouveautés qui seront dévoilées au cours des prochaines semaines. En attendant celle-ci, le musée Lannaudois est heureux d'annoncer le retour de ses heures d'ouverture estivales ainsi que ses fort appréciées visites guidées à horaires fixes. La Maison Louis-Cyr repassera à l'horaire d'été à compter du 19 juin prochain. Donc, les visiteurs pourront visiter les expositions et tenter l'expérience de la réalité virtuelle au musée du mardi au dimanche de 10h30 à 16h30 tout l'été. Très appréciée depuis plusieurs années et offerte seulement en été, les visites guidées animées par l'équipe de la Maison Louis-Cyr seront de retour durant la saison estivale 2023. Dès le 27 juin, les départs auront lieu du mardi au samedi à 11h, 13h et 15h. Pour en savoir plus au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, on vous suggère de visiter leur site web ou de communiquer avec l'équipe au 450-886-1666. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière et la Sûreté du Québec ont présenté aujourd'hui à Joliette une nouvelle équipe mixte d'intervention, policiers et intervenants communautaires desservant le territoire de la MRC de Joliette. L'entente entre les trois partenaires permet de répondre adéquatement aux besoins spécifiques des clientèles vulnérables, allochtones et autochtones, et d'offrir des services culturellement adaptés grâce à la mise en commun des compétences respectives. Le MIPC est composé de deux patrouilleuses et d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec, de deux intervenantes psychosociales du CI3S. La population autochtone, le MIPIC, s'appuiera sur l'équipe d'intervention du CAAL, disponible 7 jours sur 7, 24-24, pour assurer un service culturellement sécurisant. La mission principale de l'EMIPC consiste à favoriser une orientation rapide des personnes en situation de vulnérabilité vers des ressources d'aide du réseau public et communautaire. L'intervention de l'équipe mixte vise ainsi à améliorer l'accès aux services et à réduire la judiciarisation des clientèles desservies. Il fait de l'intervention pour aller de l'avant pendant et après une situation de crise ainsi que de la prévention en collaboration avec les partenaires institutionnels et communautaires. Donc, on participe aussi à des activités de prévention, de promotion sur les problématiques vécues par les personnes vulnérables.
Nous sommes très fiers de ce partenariat, de mentionner la présidente et directrice générale du CI3S et de la Sûreté du Québec. Cette entente novatrice respecte notre liberté d'action et notre identité culturelle et est le résultat d'une confiance qui se bâtit au jour le jour avec les partenaires majeurs de notre institution. Tout en préservant notre indépendance, nous serons ainsi en mesure de soutenir la population autochtone de la Naudière en collaboration avec le CI3S et la Sûreté du Québec. On mentionne aussi que le CI3S est fier de faire partie de ce projet, représentant un partage des roses et une reconnaissance de l'expertise de chacun des partenaires. Cette démarche incarne notre volonté et notre ambition à travailler ensemble afin de développer et d'adapter notre offre de services et nos interventions au bénéfice de la clientèle vulnérable. Donc, le CAL a le CAAL a un rôle clé pour influencer les pratiques culturellement sécurisantes, ainsi que la sûreté avec le leadership visant à un service qui est en proximité avec la population. Ce projet incarne bien de bien faire, de faire bien les choses et surtout tout ensemble. Donc, c'était vraiment une journée très intéressante et c'est le fruit vraiment d'une très grande collaboration avec les personnes vulnérables, les personnes qui sont au cœur de la préoccupation tant au niveau du CI3S, de CAL que d'être le Centre d'amitié autochtone et on est convaincu que le travail aura des retombées très positives pour tous les membres de nos communautés. Déjà, on sent un effet sur le terrain. En terminant, on vous parle de la Sûreté du Québec encore, mais avec l'arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec désire rappeler aux usagers des véhicules récréatifs l'importance de bien préparer son équipement de plein air en prévision de la saison estivale. Un équipement bien entretenu, combiné à des comportements responsables et sécuritaires, réduit les risques d'être impliqué dans une collision ou toute autre situation tragique. Que ce soit en quad, en embarcation nautique ou dans la pratique d'une activité nautique, la majorité des cas, c'est un comportement humain qui est à l'origine d'événements malheureux. Les policiers souhaitent sensibiliser l'ensemble des usagers de véhicules récréatifs à l'importance de bien connaître les différentes lois et réglementations selon l'activité pratiquée, que ce soit la réglementation visant les plaisanciers, la loi sur les véhicules hors route, le code de la sécurité routière, le code criminel et parfois des règlements municipaux. Le respect du cadre normatif permet d'assurer la sécurité de tous. Rappelons également la quiétude des propriétaires terrains et riverains demeure toujours une préoccupation. OK, la loi sur les véhicules récréatifs prévoit que les utilisateurs de VTT ne peuvent circuler sur les sentiers privés sans autorisation préalable des propriétaires. En plus d'être une infraction, l'utilisation des terrains privés à des fins récréatives sans autorisation génère des plaintes de bruit en raison des problèmes de quiétude occasionnés. Finalement, il est très important que les utilisateurs de véhicules récréatifs hors route, d'embarcations nautiques ou d'équipements reliés aux activités nocturnes comme la planche à pagaie, encore très populaire, connaissent non seulement les réglementations en vigueur, mais soient familiers avec la manipulation de leur véhicule ou lors de leur équipement de loisirs. L'inexpérience est aussi un facteur contributif à bien des situations inévitables. Pour plus d'informations, bien vous pouvez aller sur les différents sites, tant sur Transport Canada que le site de la Sûreté du Québec, pour avoir plus d'informations. Et maintenant, allons à la première pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 14 juin, nous n'avons aucun anniversaire à souligner, mais si c'est votre anniversaire, joyeuse fête et profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous parle maintenant de Philippe Jeté et de David Simard qui ont produit 10 capsules vidéo sur le répertoire de musique traditionnelle de la région Lanaudière. Ces vidéos permettent d'apprendre ou de découvrir 10 pièces instrumentales sélectionnées suite à l'écoute attentive de plus de 1000 enregistrements d'archives. Le duo Jeté-Simard s'est associé au réseau Québec Folklore, un organisme national, pour la diffusion de capsules pédagogiques sur la plateforme YouTube dans le cadre des projets Musique folklorique du Québec du réseau et du répertoire du duo. Des reels, des polkas, des valses choisies sont interprétées en 3 vitesses et permettent de faciliter l'apprentissage. Mise en contexte de la provenance du morceau introduit des vidéos, ces documents audiovisuels ont déjà été vus par plus de 1000 personnes. Également, une performance des 10 morceaux est actuellement en diffusion sur la page Facebook du duo, et sur leur compte Instagram. Donc, nous sommes très heureux de redonner à la communauté son répertoire de musique traditionnelle, mentionne M. Jeté, et de remettre en circulation ce répertoire inédit récolté auprès de violoneux, de joueurs d'accordéon, de Saint-Côme, de Saint-Liguori, de Saint-Laurentide. Donc, M. Jeté est accordéoniste. On parle de M. David Simard, maintenant un violoneux, qui rappelle que le projet a été réalisé grâce aux collègues de Philippe Jeté et de Hervé Larochelle et grâce à la collaboration du Crapaud et d'Archives Lanaudière. Donc, vous pouvez aller visionner ces vidéos sur la page de projet Créer, diffuser, transmettre des répertoires instrumentaux. Donc, ça a été vraiment rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Montcalm, de la Ville Notre-Dame-des-Prairies et du Conseil du patrimoine vivant. Donc, félicitations à M. Jeté et à M. Simard pour cette belle réalisation. Et on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site Internet de M. Jeté pour aller voir. On sait en fin de semaine, c'est de la course de Formule 1, mais on vous parle maintenant de Marc-André Camira, donc pilote pour Payet Automobile, qui a remporté sa première victoire de la saison samedi, alors que la série NASCAR Pinty était présente à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction en Beauce. Camira a pris la tête du peloton après une relance en fin d'épreuve, alors que les autres pilotes payés, on parle de Andrew Rangé, Alex Guénette et Sam Felot, ont connu une course passablement plus difficile, ralliant respectivement 20e abandon, 10e et 11e rang. Marc-Antoine Camira a connu une journée remplie de rebondissements à l'autodrome Chaudière. Une fuite d'huile découverte tôt pendant la séance d'essai a forcé l'équipe Camira à changer de voiture pour utiliser la voiture de réserve pour le reste du programme. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet a ainsi été le premier à s'élancer en qualification sur une piste sale, enregistrant le 11e chrono. N'ayant pu faire des tours d'essai avec sa voiture de réserve, Camira savait bien qu'il aurait beaucoup de travail pour remonter le peloton dans la course de 300 tours. Lors de la première partie de la course, il a travaillé fort afin de gagner quelques positions, mais sa voiture était très souvireuse. Nous avons effectué quelques ajustements à la course, à la mi-course, et lorsque je suis revenu en piste, je savais que je pouvais remonter le peloton, a mentionné Camira.
Avec un peu de 100 tours, un peu plus de 100 tours à faire, il a pris le deuxième rang, entrant en bataille pour la tête. Camiran a par la suite perdu un peu de terrain après avoir été pris derrière des retardataires, mais heureusement, un drapeau jaune déployé à 10 tours de la fin lui aura permis de rattraper le meneur. À la relance, Camiran a été en mesure de rester à l'intérieur du meneur et a pris les commandes avec 5 tours à faire. Ça a été vraiment une journée très occupée. Mon équipe a travaillé très fort pour préparer la voiture et pour faire les ajustements nécessaires à la pause. Nous sommes très heureux de gagner devant notre famille, nos amis, nos partisans. Nous espérons maintenant poursuivre la course, a conclu le pilote, excusez-moi. Donc, il s'en va à Terre-Neuve où nous avons rencontré l'an dernier la première course, leur première course à vie. Les autres pilotes de Payet Course Automobile ont connu une course passablement difficile malgré de bons départs. Andrew Ranger a effectué une excellente qualification, prenant le départ de la course en deuxième place au volant de son auto. Il roulait dans le top 10 en première portion de course, mais après la mi-épreuve, un bris mécanique au pont arrière l'a forcé à l'abandon. Alex Guenet, lui, a connu une fin de course décevante après avoir été compétitif toute la journée. Donc, se classant troisième aux essais et quatrième en qualification, Guenette a couru dans le ton de tête pendant la première moitié de l'épreuve, mais après la pause, sa voiture est devenue souverteuse. Par la suite, un contact en arrière de son véhicule l'a envoyé en tête à queue, forçant l'oncle pilote de repartir de l'arrière. Monsieur Guenette a tenté de reprendre le terrain perdu, mais a finalement rallié l'arrivée en 10e place. Finalement, Sam Fellows a aussi connu un bon départ au volant de sa Chevrolet Camaro. Donc, gagnant plusieurs places dans le peloton en première moitié, il a toutefois eu une pénalité décernée à la pause qui l'a forcé à repartir à l'arrière. Il a ensuite pris dans un accrochage qui a endommagé l'avant. Donc, ce sera un retour en piste pour Marc-Antoine Cameron et Andrew Ranger le 24 juin, alors que la série NASCAR Pinty fait le voyage jusqu'à Terre-Neuve à Eastbourne International Speedway à Avondale, en Newfoundland. Donc, bonne chance encore à Marc-Antoine Cameron et à Andrew Ranger. Maintenant, allons à la deuxième pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook! Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juin, à l'aube de ses 74 ans, est décédée Mme Nicole Lambert, fille de feu Damas Lambert et de feu Marie-Ange Raté, demeurant à Berthierville, native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Estelle Terrier, Pierre Giguère, Lily Terrier, Denis Desroches, Danny Terrier, Sylvie Garot, José Terrier, Luc Chaput. Ses petits-enfants, Roxane Vézina Terrier, Daphné Vézina-Terrien, Tony Terrien, Alexandre l'Italien, Vanessa l'Italien, Jade Desroches, Lydia Desroches, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses arrière-petits-enfants Mathéo, Noah, Abigail et Cara,
Sa sœur, son frère, son beau-frère, Mimi Lambert, Gaston Vallée, Jean-Guy Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 24 juin dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 heures. Les cendres de Mme Lambert seront déposées au colombarium du complexe funéraire de Berthierville. À son domicile, le 23 mai, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Régent Savignac, époux de feu Louisette Laforêt, demeurant à Berthierville. Lui ayant précédé sa fille Joanne. Il laisse dans le deuil son fils Pierre Savignac, Lise Bérubé, ses petits-enfants Olivier, Émilie Odette, Mathis Savignac, Justine Marion, Alexandre Désy, ses arrière-petits-enfants Loïc, Félix, Florence et Éléonore, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Gabriel Savignac, prêtre, Marie Savignac, feu Philippe Paquet, Édith Savignac, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Ardois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 25 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 25, un temps ressenti de 26. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 23, un temps ressenti de 25. Mercredi nuit, c'est nuageux avec éclaircie, température de 15, un temps ressenti de 15. Jeudi matin, ce sera nuageux avec orages dispersés, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera des possibilités d'orage, une température de 23, un temps ressenti de 27, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec orage possiblement fort, une température de 23, un temps ressenti de 26, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce bulletin de nouvelles. On vous rappelle que demain, nous aurons un prochain bulletin de nouvelles à compter de 6 heures. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller aussi sur notre site YouTube qui vous donne la possibilité de revoir le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui et de revoir aussi les émissions que nous avons diffusées au cours des dernières semaines. On vous rappelle que vendredi, exceptionnellement, il n'y aura pas de bulletin de nouvelles parce que la station sera fermée pour congé des employés. Donc, nous serons de retour seulement lundi pour recommencer une semaine avant la Saint-Jean-Baptiste. Sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, excusez-moi, et on vous rappelle que nous serons présents demain pour un dernier bulletin cette semaine pour le 15 juin. Sur ce, bonne écoute et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.